Alors, pour passer de la ruche au pot de miel, d'abord, il faut créer des conditions de travail pour les abeilles. Ces premières conditions, ça va être d'être à proximité des fleurs. Donc, il va falloir déplacer les ruches à proximité des champs de fleurs ou des arbres à fleurs. Donc ça, c'est un travail qui se fera la nuit, pendant que toutes les abeilles sont bien au cœur de la ruche, pour ne pas en perdre. Notre premier travail à la miellerie sera d'enlever la pellicule de cire qui obstrue chaque alvéole contenant du miel. Les abeilles mettent une petite pellicule de cire pour la bonne conservation du miel, pour éviter son altération. Donc ça, ce sera fait à l'aide d'une machine à désoperculer. Autrefois, c'est un travail qui se faisait avec un couteau, tout simplement. Le deuxième travail sera de faire sortir le miel des alvéoles dans un appareil que l'on appelle un extracteur. Donc c'est une simple essoreuse en fait, et par la force centrifuge, le miel va être extrait des cellules. Le miel est ensuite collecté pour arriver dans des grands maturateurs pour faire mûrir le miel. Le miel a besoin de subir une légère décantation pour que toutes les impuretés, les petites particules de cire, puissent remonter à la surface du miel, être supprimées, ce qui permettra ensuite de soutirer le miel dans des fûts. En général, on stocke dans des fûts métalliques de 300 kg. Et bien conditionné comme cela, le miel peut se conserver une année, voire deux années, sans aucun problème. Alors, il y a le savoir-faire dans l'extraction, mais je dirais que ce n'est pas là où il y a l'aspect technique le plus important, puisque ça, c'est un aspect, cette récolte est un aspect traditionnel. Que l'on ait des machines modernes ou non, la récolte sera la même selon le même principe. Après, tout le savoir-faire de l'apiculteur va venir à la suite dans la préparation du pot de miel. Bon, nous, notre grande spécialité, c'est le miel toute fleur, le miel doré du Berry qui fait notre réputation. Et ce miel est fait d'un assemblage justement de plusieurs miels. Donc tout est dans le dosage des différentes quantités de miel de chaque espèce florale. Et après tout se joue, donc là je ne rentrerai pas dans les secrets de fabrication, mais le principe est de jouer avec les différences de température pour obtenir un miel qui soit onctueux sans jamais être très très dur, donc facilement tartinable. Et ça, ça se joue à quelques degrés près. Et ça se joue avec l'humidité ambiante. Donc il faut absolument maîtriser parfaitement ces critères pour avoir un produit de qualité. Voilà, la gelée royale, la différence du miel, est une production très spécifique. Dans son principe, en fait, on va provoquer un élevage artificiel de rennes. Donc on va faire croire à la ruche qu'elle n'a plus de rennes. Alors bien sûr, on ne va pas tuer la reine, ça serait quand même dommage. Donc on va séparer notre ruche en deux parties, d'un côté la reine, de l'autre côté notre élevage. Dans cette partie orpheline, on va apporter un support, donc ça va être deux ou trois petites lattes, sur lesquelles sont fixées des cellules. Et dans chaque cellule, on va apporter une petite larve de quelques heures. Donc une larve qui aura entre 6 et 12 heures. C'est dire si elle est petite, on pourrait dire qu'elle fait un demi millimètre de long et la grosseur d'un cheveu. Donc c'est un travail très très minutieux qui se fait sous la lampe.
Donc, après cette introduction de très petites larves, 3 jours et demi après, on va récupérer notre élevage. Et là, les larves auront beaucoup grossi, plus d'un millier de fois. Hein, et la cellule, notre petite cellule, va être remplie de gelée royale. Notre premier travail va être de dégager un petit peu cet accès à la larve en enlevant la pellicule de cire qui commence à obstruer la cellule. Donc à l'aide d'une fine lame, d'un cutter, on va pouvoir enlever cette pellicule de cire. Là, on va pomper la gelée royale à l'aide d'une pompe à vide traditionnelle. Et dès la récolte finie, tout est placé au froid, à l'abri de la lumière, pour une parfaite conservation du produit.